quel âge tu as commencé? Tu es arrivé au patinage? Alors, je suis arrivé très tôt en fait, déjà vers 4 ans à peu près. Donc déjà, là, j'accompagnais ma sœur qui, elle, faisait du patin. Donc, au lieu de la regarder depuis le bord de la barrière, j'ai mis les patins aussi. Et là, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement jusqu'à maintenant. Ouais. En regardant 2-3 vidéos de quand j'étais vraiment tout petit, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà du plaisir. Donc, ouais, je crois que ça m'a tout de suite, tout de suite eu le truc. J'ai vraiment, depuis tout petit, beaucoup consacré. Régler mes entraînements, enfin régler ma vie même en fonction de ça. Donc c'est vrai que ça a pris vraiment une très très grosse part de toute ma vie jusqu'à présent. Ouais. Si tu devais ressortir une qualité pour être performant en patinage? La persévérance, c'est vraiment une qualité vraiment nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression de faire des sacrifices ou... Non, c'est de toute façon des sacrifices, ça c'est clair. Même que dans les phases un petit peu plus compliquées, on se pose toujours des questions, des sacrifices, ça y en a, mais ça c'est pour tout le monde, mais c'est juste après une question de volonté, de choix. On va regarder les photos ensemble. Mmh. Stéphane Lambiel, un grand sportif qui s'est aussi entraîné au Vernet, donc j'ai eu le même coach que lui, la même chorégraphe, un peu la chance d'être à ses côtés pendant les entraînements, d'obtenir la même structure que lui. Donc j'ai su en profiter, je crois. Donc vraiment comme source de motivation, comme exemple, comme modèle. Ouais. C'est un beau rêve, un bel objectif. Pas facile à atteindre, mais un bel objectif en tout cas. J'espère que je serai prêt pour y participer. En tout cas, je m'entraîne pour ça. Oui, j'ai eu la chance depuis le début de cette année d'être soutenu par les services industriels de Genève. Donc soutien qui va nous permettre d'aller, je pense, plus loin dans les entraînements, de nous offrir d'autres possibilités, qu'on s'intéresse à moi, de savoir qu'on voit du potentiel en moi, ou de savoir qu'on croit en moi, que j'ai des possibilités de réussir. Là aussi, je trouve que j'utilise toujours comme une source de motivation. Après, c'est vrai que c'est comme une pour l'institution, donc voilà, c'est aussi un plus. Ouais.